t'apprend la boxe et il t'apprend en même temps la vie. Bah c'est magnifique. Je trouve que aborder la sexualité chez les personnes âgées, c'est une des vraies forces du film. Tu le sais pas si tu rentres pas dedans, tu pourras jamais le savoir. La cinéma. Ouais, et dans chaque jeune, il y a un futur vieux. Mon soda préféré, celui qui passait sur M6 il y a quelques années. Un mélange entre Gad Elmaleh, Leonardo DiCaprio et Gérard Depardieu. C'est quelqu'un qui s'appellerait Gérard DiCalmaleh. De rire, c'est un film qui est drôle, qui réunit la famille et on peut y aller de 7 à 87 ans et rire et être ému. Et ça, je trouve que c'est essentiel, surtout en ce moment, on a besoin de rire, on a besoin de vivre des histoires, on a besoin de vibrer. Et si on peut le faire en plus tous en famille, c'est génial. Bah tous, parce qu'ils sont tous là que j'adore ce film. C'est un film choral, donc par essence, ils sont tous importants et c'est le fruit de toute la bande qui me rend heureux quand je regarde le film. Non, je pense pas que ce soit le rêve de tous les vieux, mais je pense que c'est le rêve malheureusement de certains. Et j'espère que ce film va leur permettre de s'exprimer encore mieux. Bah écoute, je connais très bien Juin-les-Pins, moi j'ai grandi à Juin-les-Pins en partie, donc mes grands-parents ont un appart à Juin-les-Pins et donc j'ai passé énormément de temps là-bas, donc je suis un peu un mec de Juin-les-Pins, on va pas se mentir. Film dans lequel j'aimerais jouer, Maison de retraite 2.